Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette soirée de lecture organisée par le Centre de la Francophonie des Amériques. Je me présente, je suis Yao, auteur, compositeur, interprète et fier francophone de la province de l'Ontario. C'est un énorme plaisir pour moi d'être votre animateur pour ce magnifique moment de partage et de découverte que nous allons vivre ensemble au cours des prochaines minutes. Sans plus tarder, je vous présente le thème de notre soirée, les mots ramassés en chemin. Cette phrase nous vient d'un texte de Gérard Leblanc, grand poète acadien qui a réfléchi longuement sur la condition du français, notamment dans son recueil de poésie Éloge du chiac publié en 1995 aux éditions Personnage. Un quart de siècle plus tard, ce thème reste d'actualité et trouve écho dans les oeuvres de nombreux écrivains contemporains. L'activité de ce soir est donc une occasion de rassembler trois jeunes auteurs francophones et de découvrir des textes littéraires qui proposent une réflexion sur la langue comme un vecteur de l'identité. Issus de différentes provinces et territoires, les auteurs de ce soir abordent dans leurs textes les questions d'insécurité linguistique, de leur rapport à la langue française et de l'impact sur leur personnalité. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais partager avec vous un court poème pour débuter cette soirée. Nous sommes ici par amour. Tout court. Pas juste d'une langue, d'une idée, d'un désir, mais par fierté. Admare uske admare. Au gré des conversations improvisées. Cette langue reste une porte. Elle nous unit, elle nous exhorte. Elle évolue au gré des immigrations, ancrée dans un profond désir de tendre la main vers notre voisin, de vouloir rejoindre l'autre et d'éviter l'exclusion. Puis-je avoir mon mot à dire? Faire usage de ma langue comme bon me semble, au sens propre et figuré, French-moi langue officielle, dans son élément naturel. Mon implication est fondamentale. Je dirais même qu'elle est viscérale. Opération Charme parlant de continuité. Nous formons tout de même une seule et même communauté. À défaut d'être un prophète chez soi, pourrais-je peut-être être un apôtre? C'est une question de choix. D'arrêter de prêcher aux convertis. De propager les on dit les le problème c'est la loi. Quelle est la solution dans ce débat sur l'expression? La première étape pour résoudre un problème, réaliser qu'il y en a un. Et bien que l'adage paraît extrême, ce rôle revient à tout un chacun. Le moment est venu d'accueillir nos invités de ce soir. Le premier invité, originaire de Mancton et ayant grandi à Dieppe, notre premier invité est un comédien, chanteur et metteur en scène, maintes fois primé tant sur la scène nationale qu'internationale. Depuis 15 ans, il sillonne les quatre coins du pays et compte plusieurs publications à son actif, dont deux pour le théâtre, trois en poésie, en plus de participer à plusieurs projets collectifs et inédits. Il co-signe la création du projet docu-fictif docu théâtral Par les mâles avec Bianca Richard, duquel sera tiré à l'automne 2021 par les mal le balado sur la plateforme audio. Il dirige d'ailleurs la collection théâtre des éditions Personnages et vous le connaissez peut-être sous le personnage de Zoël Bourgeois qu'il incarne dans la télé À la valdrague sur les ondes de Radio-Canada. C'est un honneur pour moi de vous présenter Gabriel Robichaud. Bonsoir Gabriel. Bonsoir et Merci ça va beaucoup d'être avec nous ce soir. Oui. Notre prochaine invitée est une poète slameuse, autrice de théâtre, scénariste, recherchiste et animatrice d'événements multilingues originaire de Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Basée à Winnipeg depuis 2013, son premier recueil de poésie Boussole Franche, publié aux éditions du Blé, s'est vu décerner le prix littéraire Rue des Chambeaux pour l'année 2021. Et sa pièce de théâtre Annie et Tom a été mise en lecture au 10e festival à haute voix cette année au théâtre L'Escaouette à Moncton, et un extrait sera mis en lecture au 12e Congrès international des autrices dramatiques à Montréal, les 20 au 25 juin 2022. Elle se joint à nous ce soir de sa ville d'origine, Yellowknife, voici Amber O'Reilly. Bonsoir tout le monde. Salut Amber, un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Notre dernière invitée, et non la moindre, aime brasser la cage depuis plusieurs années maintenant. Poète, slameuse et dramaturge originaire de la Nouvelle-Écosse, elle s'est fait connaître pour ses chroniques percutantes adressées très souvent à ses compatriotes de l'Acadie. Elle croit en la vérité comme étant la clé du changement et sa dernière pièce « Overlap », publiée sous forme de livre aux éditions Prise de Parole, a été décrite comme un gros parterre où on parle de tout sur tous les temps et sans complaisance. L'amour, l'amitié, le mouvement MeToo… Le rapport à l'autre, le rapport à la langue, au lieu, à la culture acadienne, au peuple autochtone, ce sont des brefs fragments incisifs qui examinent la place de l'individu dans une ville où il est peut-être difficile d'échapper aux autres et à soi-même. Aujourd'hui, résidente de la ville de Moncton, d'où elle nous rejoint ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Céleste Godin. Bonsoir Céleste. Hello. Merci Bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je vous les ai présentés et maintenant je vous laisse les écouter. Et pour débuter cette soirée, j'invite Céleste à nous partager un extrait intitulé Marderie de sa pièce Overlap. You know what? On est tout plain mom. Yel, lui, je, nous, puis toutes les autres et tout. Combien de fucking nombrilistes faut-tu être pour avoir les mêmes conversations bon nous-mêmes over and over. Frico frico rinse repeat. Y a-tu juste moi qui se rend compte que la seule raison qu'on mentionne des eux, c'est pour plus pouvoir parler de nous. Y a t anyone qui croit vraiment que le meilleur exemple de notre diversité là, c'est la différence entre ici puis la place d'à côté? La prochaine fois que j'entends l'expérience francophone par l'entremise de l'anecdote au Tim Hortons, là, you know, celle-là qui finit tout le temps avec un café, 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 café exaspéré, I swear to God, je vais fake une heart attack pour pas avoir besoin de l'écouter de nouveau. Non, fuck it, je vais toutes vous déjouer dessus. God, il faut vraiment être plein de monde pour parler de notre shit all the time en ignorant absolument tout le reste. On ignore le tiers-monde autochtone de notre own pays, récent comme résidentiel, puis quand le sujet arrive à surmonter nos efforts de ne pas en parler, on découvre soudainement notre héritage métier, juste à temps pour s'exonérer d'avoir une part de responsabilité dans la situation. On n'a pas besoin de parler du présent, parce que nous, on a un passé qui nous exempte de tout. Femmes disparues, absence d'eau courante, traumatisme générationnel, génocide, assimilation forcée, vol et viol de terre, appropriation variée, épidémie de suicide. Yeah, yeah. Mais, tu sais, euh, nous autres, on était leurs amis. Nous autres, on a tout de figured out. <laughs> euh, Les États sont plein de morts. Puis leur problème, c'est Jésus puis les guns. Ils sont des imbéciles puis ça n'a rien à faire avec nous autres. C'est pas parce qu'on bouffe leur culture à la journée longue que ça nous affecte. Anyways, nous autres, on vit en harmonie, obviously. Eux, ils ont des nazis qui marchent dans la rue, mais ici, il y a obviously pas de racisme parce qu'on n'en voit pas. <laughs> Chez nous, moi des gens de couleur sont des étudiants qui vont partir soon. Anyways, so, on n'a pas eu le temps de les connaître assez pour savoir pourquoi on les aimerait pas. Puis, les autres, c'est des Syriens, puis on les comprend tout. Totally. Sans même avoir besoin de leur parler parce que on est les original déportés around here, puis ça nous rend experts en persécution. C'est pour ça qu'on est tellement moins plein de membres que les States. Nous autres, on ne diviserait jamais notre espace dans une guerre éternelle entre deux partis politiques. Nous autres, on n'aurait jamais tellement peur du monde qui ne parle pas notre langue qu'on essaierait de préserver la, la pureté de notre espace. Right? C'est eux autres et pas nous qui sont pleinement. Sais-tu qu'est-ce qui est vraiment pleinement de monde? Les Québécois. I know, I know, duh. The... Ils pensent qu'ils savent qu'ils sont spéciales sans savoir que nous autres on est encore plus spéciales. Ils pensent tout pareil puis ils parlent tout avec le même accent qui est l'être. Ils débarquent ici sans comprendre les différences entre nous. Pis ça, c'est pas fair parce que nous autres, on comprend très bien les différences entre toute leur culture régionale. Ils sont tellement pleinement qu'il y en a qui pensent que leur peuple aurait le droit de se gérer lui-même. <laughs> oh god, on va leur montrer comment ça marche dans le vrai monde, ok? Starting avec le plus important. Putin versus Putin. Pis yeah, On parle fin de quoi ce qui arrive aux femmes dans la société. Puis on a trouvé la façon pleine de mal de le faire. Asif que hashtag MeToo annule le fait qu'on slut shame les filles quand elles marchent en high heels et tout top dans la rue. Asif que dire c'est pas juste about les femmes annule le fait que c'est about toutes les femmes que moi je connais. Asif que le patriarcat c'est une illusion et les coupables sont pas libres de vivre confortablement parmi nous. Anyways, on est déjà tanné de tout le temps à parler de ça, même si ça arrive encore, mais tout le temps. En fait, en fait, <coughs> en fait, il suffit de nous écouter parler pour savoir à quel degré nous sommes abondants en matière fécale. Nous avons collectivement choisi de combattre notre propre complexe d'infériorité orale en démontrant une fierté immuable envers nos, nos régionalismes respectifs. Cette affirmation de notre existence via notre vocabulaire vaut le coup de notre refus d'apprendre à utiliser le plein potentiel de la langue française. <laughs> Tant qu'on continue d'éblouir et s'éblouir par la façon dont on parle, personne ne va se rendre compte qu'on n'est pas capable de parler autrement, de toute façon. Ceux qui s'expriment avec des mots de bourgeois intellectualisés sont évidemment prétentieux autant et pas des nôtres, et c'est à eux d'apprendre à nous comprendre. In other words, ils ont tellement plein de monde que ça s'entend. Pis c'est à eux de faire l'effort de parler comme du normal monde. Pis, euh, je sais pas que tu saches, là. Tu parles actually vraiment bien en français, OK? On a tout compris que ce que tu disais, pis c'est ça qui compte vraiment. L'affaire où tu te sens coupable de pas pouvoir bien parler français pis ça peut t'excuser, ben, c'est normal. On se sent toutes de même, actually. Y a rien de plus francophone que de penser que tu parles pas vraiment bien en français. While well, we're at it, here's a grab bag de petites mordes dont on est toutes pleins d'eux. Les jeunes sont évidemment pleins de mordes. Comme nous, ben on l'a jamais été. L'Acadie, c'est une place. Et c'est, ben ici qu'elle Tous les corps sont beaux. pourvu vu que t'es pas un gars qui est petit ou une fille qui est grosse. On a fait une place bilingue pour qu'on puisse officiellement vivre chacun notre bar. Et la religion, là, c'est évidemment con. Parce que la vraie réponse, c'est qu'on est en Mercury Retrograde. Mais ça sert à rien de vous dire tout ça, anyways. Ça vous tente pas d'écouter mes opinions qui font chier? C'est bien trop compliqué mes affaires et vous avez pas envie de mettre des heures à prendre des concepts théoriques pour comprendre what the fuck que je parle about. C'est fine, I get it. Je suis trop much, puis ça rend le monde mal à l'aise. Je suis une zone grise dans vos milieux de vos gardes-clochers en noir et blanc là. Puis j'ai l'habitude de pas me faire écouter. So, je m'attends pas que vous avez des réponses à mes questions non plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, euh, pour empêcher mes amis drunk driving quand je suis pas là pour les tacler puis voler leurs clé? Va-tu falloir que je me fasse écraser en traversant la rue pour devenir martyr malgré moi? Comment parler d'être queer dans une langue où le masculin l'emporte toujours? Si on sait pas qu'est-ce qu'un pronom in the first place, on est-tu capable de s'en choisir d'autres? Pourquoi les filles me parlent toutes de comment elles se sentent? Coupables de leurs agressions et les gars me parlent d'être victimes de fausses accusations. Ça là, c'est-tu la même histoire mais racontée différemment? Puis, what the fuck que je suis supposée faire quand je fais constamment face au gars qui a violé mon ami? Comment est-ce que je peux faire sûr qu'il fait pas d'autres hashtags MeToo? J'ai-tu le droit de le confronter si c'est pas mon histoire à moi? Puis si, je fais rien. Je suis-tu responsable, hashtag, moi aussi, de son prochain viol? Je suis-tu... Je supposée vous faire un trigger warning? Si tu... Tu es responsable ou, ou insensible de vos pukes et toutes ces... avertissement? Puis si vous m'écoutez pas vraiment, là, ça ne tu alors puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le monde arrête de me parler de leur fucking fricot Fricot, poutine, fricot, poutine, fricot, 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 fricot. <rire> <rire> ah, merci beaucoup, beaucoup Céleste pour cette lecture et interprétation de ton texte. On voit le théâtre en toi. <laughs> J'ai une a question... Oui Je suis comme toi, donc t'inquiète, on se partage cette réalité-là. <laughs> J'ai une question pour toi. Um, il y a un côté très introspectif dans tes écrits, mais avec une grande prise de conscience sur soi-même et une ouverture sur le monde autour de toi. J'aimerais savoir comment en es-tu venu à cette prise de conscience et sur ce questionnement identitaire-là Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier mmh. J'ai j'ai eu le privilège de grandir dans une famille où l'identité culturelle et la linguistique est vraiment importante. Um, alors, sur ma propre identité culturelle, j'ai été brainwashed à ça dans ma jeunesse. Puis j'ai aussi eu le privilège d'avoir eu contact avec beaucoup de, de francophones un peu partout. Um, du temps, j'adore où j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps. Um, ça m'a donné la chance de voir, um, sur la question de la francophonie Amériques, ce que c'est de... Vivre une identité culturelle forte, mais dans le dans le contexte de les autres cultures qui se passent autour de nous. Euh, donc, ça me fait beaucoup réfléchir à ces rapport là Puis, je pense qu'on voit quand même ça beaucoup dans le texte, que, euh, qui parle de comment on, les gens ont tendance à rester tellement centrés sur leur propre euh, identité culturelle, leur propre identité linguistique, qu'on dirait que ça espace un peu toute la perspective par rapport aux autres. Euh, D'une façon qui, qui mène, pour, de mon point de vue, jusqu'à l'hypocrisie. Euh, alors, ce texte-là, c'est un peu toutes les choses que j'aurais voulu dire aux gens pendant qu'ils disaient des affaires que je trouvais juste pendant les parties, euh, mais que c'était pas le temps d'avoir des gros. Vraiment, là, 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 En fait, je sauve toutes mes affaires dans moi et le moindre en partout Ah, magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Céleste Gaudin, mesdames et messieurs, un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons poursuivre cette soirée avec Amber O'Reilly qui nous partagera trois textes de son répertoire, les poèmes échiolés, étourdir et créer ici. Amber, à vous la parole. Écolier. Les familles militaires québécoises peuplaient l'école de nouvelles têtes qui nous léguaient des expressions genre nouvelles, une culture de partie de fin d'année, un air de poli et des échos de rire flou lorsqu'ils quittaient. Bissonnette, tremblée, amel, baribou, Desbiens, au revoir. Microchoc culturel, nos petites vies tout à coup sujet de dérision ou d'admiration selon les goûts. étaient ce nos accents à moitié cuits? ou notre inexpérience de secondaire toxicon sans clic, où personne n'a jamais embrassé personne, nos enfances emparentées en amalgamées qui nous rendaient minorité tard, minorité teux, minorité l'étabise. Était-ce leur assurance, leur je me souviens collectif, ou leur liberté qui nous enivrait? À présent, j'aimerais commenter l'un des choix que j'ai fait dans ce poème, celui de lister des noms de famille de certains de mes camarades de classe québécois euh, lors de mon enfance à Hillknife au territoire du Nord-Ouest. Donc ici, les familles exogames sont un peu la norme. Donc plusieurs des jeunes n'avaient pas des noms à consonance francophone, dont moi. Euh, on a des noms uniques qui racontent les histoires de migration de nos parents qui dévoile un peu comment on a abouti à naître ici. Donc, le fait de réunir toutes ces francophonies dans un groupe, ça crée un contexte où il y a plusieurs altérités qui se côtoient. Moi, je prenais plaisir à apprendre et à retenir les noms de famille des nouveaux élèves à chaque année, de les prononcer, peut-être même de les envier. Quand on est francophone et que notre nom ne l'indique pas immédiatement, les gens sont parfois comme surpris de nous entendre parler notre langue maternelle. Puis, ça devient un point de plus sur lequel il faut s'affirmer. Donc, le prochain texte que, que je vais vous lire, étourdir avec un E, toujours tiré de mon recueil de poésie boussole franche, je l'ai écrit peu après avoir rencontré Denise Bombardier en chair et en os dans le cadre d'un tournage documentaire. J'avais pas vraiment été capable de m'exprimer aisément en sa présence, alors voici ce qui est sorti par la suite. étourdir. Ça roule trop vite pour moi. Je me roule en boule, mais il reste que ça roule. Petit Québec, petite Acadie, petite France, petite Afrique, petite francophonie. Courte pointe ténoise de fragments et de fissures où l'aquilon fait grelotter. Si je viens d'ici et que les autres se succèdent, cela fait-il de moi une anomalie? Au fil du temps, je raccommode ma pensée, je brode une sécurité linguistique à ma peau. Si j'ai eu droit à la naissance, ces autres, moi, ont droit à la mobilité, l'établissement, le départ. Si une communauté est en perpétuel roulement, elle peut se montrer à l'épreuve de vieilles idées reçues. À quel moment Cesse t-on d'être Franco d'ailleurs, Franco de quelque part, Franco catégorien, Franco statistico canadien, Franco forcé, pour devenir Franco et franc? À quel moment parle t-on simplement, sans se rappeler à chaque syllabe, de se corriger, de se distinguer, de se diviser, et d'exister quand même? Et finalement voici un poème que j'ai composé en réponse à la question Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de créer en français dans votre région? Pour le numéro 181 de la revue Lettres québécoises, paru en juin 2021. Puis c'est un peu un retour sur mon parcours de, de francophone et d'artiste déraciné. Créer ici. Les cellules de ma langue, maternelle et paternelle, ont quitté Mattawa et Burlington, débarqué dans le nord. 1986, colloque anti-nucléaire. C'était l'amour, et ils m'ont offert un 50%, ma pointe de tarteau sucre, parentale, patriarcale, coloniale, minoritaire, migratoire sur place. Elle évolue, donc elle existe, notre langue fourchue, pour une école dynamitée dans le bouclier canadien. Un parent à la fois, un enfant à la fois, un procès à la fois, tous pour la cause de nos néo-identités franco-XYZ, qui ne figurent pas dans les dictionnaires, mais dans les flammes de notre parole. Alors tirez-vous des bûches. Créer ici, c'est créer partout où je passe, m'abandonner, encadrer mon rétroviseur, appeler mes parents, mon frère, à tous les dimanches soirs, un jour, rentrer à la maison. Répéter par mille fois que Yellowknife, c'est au TNO, que c'est de là que je viens, que je viens de quelque part, de quelque part, des quelques-uns qui sont partis et de ceux qui sont restés. Créer ici, c'est inventer ma réalité au fil des statistiques qui me croient déjà morte, qui m'ont poussé à partir à mon tour, apprendre à aimer. Aimer à apprendre, faire 3200 kilomètres et ne plus jamais reprendre le volant. Pour naviguer Winnipeg, il suffit de piétiner les vers et, les, et la poésie sur les trottoirs, se vendre comme de la baguette chaude pour gagner son pain, en frappant aux portes de ses voisins sardines coude à coude, un même bassin pour les commérages, mariages, vernissages, lancements, premières, et quand on n'est pas parmi les premières des premiers arrivés, notre présence marque comme un coup de hache à la souche de l'arbre. Mais je fais bourdonner une voûte, et je danse d'un pont à l'autre entre les îlots urbains et les rivières de mots qui ont coulé, roucoulé un hier collectif. Et j'existe. Sous le microscope empathique de mes communautés, je fais le plein d'art. J'en vis. J'hésite. Je me vide le réservoir, je crie quand même. Car crier ici, c'est balbutier, me corriger, imiter des accents qui ne m'appartiennent pas, fantasmer sur Montréal comme je m'ennuie de l'hiver sec et subartique de mon enfance. Marcher dans les deux sens, le muscle de la langue étreinté. Terre un instant mes complexes. Me ruer sur scène, prendre le micro, chanter à tue-tête, faire fi de tous les attachements géographiques, écrire simplement ce que j'ai sur le cœur. Ma grand-mère, elle a baissé la voix. Si je suis là aujourd'hui, si je serai là demain, c'est que je me dois de créer avec toute la violence vive de son assimilation. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Amber. Quelle magnifique œuvre. Et j'aimerais revenir sur un passage de votre texte Étourdir, euh, qui m'a beaucoup interpellé. Vous dites à quel moment cesse-t-on d'être Franco d'ailleurs, Franco de quelque part, Franco catégorien, Franco statistico canadien, Franco forcé pour devenir Franco et franc. On sent un questionnement entre votre identité francophone et le rapport au lieu physique. Vous parlez entre autres d'être une francophone déracinée. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de détacher notre identité des barrières géographiques et de se voir comme tout simplement un franco-canadien oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense qu'on s'en va peut-être vers là euh, avec la, glo la globalisation, le, les mouvements des peuples, tout ça. Je ne sais pas si moi je suis rendue là dans, dans mon cheminement. Euh, je pense que en tant que francophone issu d'un milieu minoritaire, on a tellement eu à euh, justement réclamer notre droit. D'être francophone là où on se trouve, là d'où on vient. Alors, le fait d'essayer de, de se détacher du lieu, pour moi, ça, ça provoque des, des, des déchirements ou je sais pas, c'est vraiment une, une grosse question. Puis, parfois, le lieu, c'est tout ce qu'on a. Donc, euh, moi, en tout cas, je suis pas prête à, à dire, à, à m'identifier comme franco-canadienne plutôt que franco-ténoise. Pas encore. <laughs> et euh, petite question euh, personnelle, votre perspective d'avenir, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où, où on a récemment eu le sommet pour le rapprochement des francophonies canadiennes, qu'est-ce que vous, vous voyez pour notre francophonie canadienne dans le futur, dans cette réalité justement géographique qui bouge et qui change Mais Moi, j'espère qu'elle qu puisse euh, se défolkloriser. <laughs> Ce s'internationaliser davantage. Euh, je pense qu'on gagne vraiment à, à valoriser l'inclusion, l'intégration euh, de, de francophones de partout dans le monde, au sein même de nos communautés, euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on qu continue d'être pertinent en tant que peuple euh, sur le plan mondial. Et puis, c'est ça. Plus de mixité. Ah, magnifique, je partage entièrement votre perspective, étant <laughs> moi-même francophone, immigrant, originaire de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Amber pour ce partage. Merci à vous. Et pour terminer cette soirée, j'invite Gabriel Robichaud à prendre la parole. Il nous partagera deux textes, dont un poème Ma langue, suivi d'un extrait de son livre Manifeste diasporeux. Ma langue. Je n'écris pas ma langue. Ma langue, elle n'en fait qu'à sa tête. Maladroite, ça lui arrive, ma langue, de tourner dans tous les sens. Elle tourne ma langue comme bon lui semble, et cette fois s'il le faut. Ma langue parle. Elle parle, minoritaire, sans drapeau, sans peuple uni animal malang aux ailes emprisonnées boosté au café enivré aux tavernes floué alcoolique de rester chevaux pour chialer de chômeur entreprise de complaintes de malprises de fière brosse sans couille, de tête vide pleine d'action. écho des endroits Ma langue s'assimile, elle s'écarte, écartelée, prend sa plume, sa place, son trou, étend ses joues, et même celles qu'on n'a pas couvertes de larmes cicatrices, giflées, torturées, reniées, ignorées, trop joufflues, ignorantes et bègues. Ma langue, courant d'où je viens, là où le vent s'arrête, le temps d'inspirer un deuxième souffle. Ma langue compte, sans compter, à coups de trois petits cochons, d'il était une fois un imaginaire en manque de découvrir de nouveaux mondes, de fausses Indes, des océans sans fin, avec et sans retour. Ma langue à qui on vole son fromage à coups de ruse de renard continue de se battre pour sauver l'honneur de son pain, reste fière et saoule à trop boire son vin dans un fond de bouteille de bière. Ma langue tout croche en crise, qui crache sa foi de survivre à l'orage. Ma langue douloureuse, de tripes déchirées, écrasée, lâche, effacée, peureuse, fracassée contre rochers d'ignorance et fermeture d'esprit, en manque de rêve, mais forte, mais debout et toujours, toujours vivante, mais forte, mais debout et toujours, toujours vivante. Voyageuse, ma langue ne parle peut-être pas à tout le monde, mais à French, en crise. Sur la carte, une étoile à suivre. Vous êtes ici. Manifeste diasporeux. À cause qu'on ne faisait pas la guerre. À cause qu'on l'a perdue. À cause que ce n'était pas la nôtre. À cause qu'on était trop. À cause qu'on ne fitait pas dans le deal. À cause qu'on ne voulait pas de roi. À cause qu'on ne prenait pas les armes. On nous a donné. À cause qu'on s'est caché à cause qu'on nous a fait partir, à cause qu'on a mis des années à revenir, à cause qu'on est resté, à cause qu'on ne dérangeait plus, à cause qu'il a fallu réapprendre à lire, à cause qu'il a fallu réapprendre à écrire, à cause qu'il a fallu réapprendre à faire confiance, à cause qu'on sait prêter serment les doigts croisés, on fait notre chemin. Pour marquer quelque chose, à cause qu'en 2008, on célébrait 404 ans de francophonie en Amérique du Nord. À cause qu'on n'a pas tous été déportés. À cause qu'Évangéline n'est pas un prénom acadien. À cause que l'Acadie n'est pas chiac, même si le chiac est acadien. À cause que Moncton n'existe pas toute seule. À cause que Caraquet s'est proclamé capitale. À cause qu'Edmundston fait partie du décor. À cause qu'au Québec, on compte 3-4 millions de descendants. À cause qu'on se promène dans tous les États. À cause qu'on est des suiveux qui se sont perdus en chemin à cause qu'on vit aux îles, à cause qu'on n'est pas tous des pêcheurs, à cause que la baie des chaleurs est un mensonge, à cause que la baie Sainte-Marie est un fort de résistance, à cause que la baie sainte anne roule ses airs comme personne, à cause que personne n'a jamais crossé la street, sauf dans un poème de Raymond Guy Leblanc, pour se crosser dans une chambre, à cause que c'est pas Antonin de Maillet qui a fait la Sagouine, c'est plutôt la Sagouine qui a fait Antonin de Maillet. À cause que le poète, artiste visuel, dramaturge, cinéaste, réalisateur, ex-lieutenant-gouverneur et chevalier de l'Ordre français des arts et des lettres, Hermine et de Chiasson, n'a pas tout fait. À cause qu'on écrit des journaux sans jamais les lire. À cause que nos voix ont le plus haut taux d'analphabétisme au pays. À cause que l'Acadie de Daniel Lanois torche la toune de Michel Fugain. À cause que l'Acadie rock depuis 1973. À cause que la rhubarbe volée est meilleure que la rhubarbe pas volée à cause que la plus belle s'appelle Eugénie Melençon. à cause que le bout du monde est bleu, à cause que c'est slick, so stick around, à cause qu'on est beaucoup plus qu'un accent, à cause qu'on a quelque chose qui vous ressemble, à cause que vous êtes là, à cause qu'on n'est pas tous des frères, on a aussi des cousines, à cause qu'on s'assoit sobre pour se lever sous, à cause qu'on a tort, à cause qu'on a raison, à cause qu'on est nombreux, des fois, à cause qu'on se connaît pas tous, à cause qu'on est loin de toutes, à cause qu'on est sans frontières, à cause que c'est notre force, des fois. À cause qu'on n'a pas besoin d'une devise pour se souvenir, à cause que nos valeurs n'ont pas besoin d'une charte, à cause qu'on est colonisé, mais juste quand ça nous tente, à cause que ça nous tente pas souvent, à cause qu'on n'a pas besoin d'un pays pour être fier, à cause qu'on se tient debout, à cause qu'on est prêt à vous porter, à cause que vous n'êtes pas tout seul, à cause qu'on est ensemble, à cause qu'on meurt pas souvent. À cause qu'on est légal, des fois. À cause qu'on n'est pas légal de tout le monde. À cause que chez nous, colon, c'est une insulte et bourgeois, un autre famille. À cause qu'on n'aime pas plus la reine d'Angleterre qu'on a été aimé par son arrière-arrière-cousin, le roi de France. À cause qu'on est toujours le maudit français d'un autre, à moins d'être assimilé. À cause que dans les dictionnaires, Acadie se trouve toujours entre Académie et Acapulco. À cause qu'on sera toujours les cousins un peu demeurés qui ont de l'esprit sans vraiment le savoir. À cause qu'on n'a rien contre les immigrants, à cause que « somewhere, somehow » on est tous des maudits colons, à cause que c'est le même qu'on s'est ramassé ici, à cause qu'on fin... on a fini par appeler ça « nous, à cause qu'on a trouvé ça beau, à cause qu'il fallait bien, c'est tout ce qui reste au bout du monde des fois, à cause que des fois, ça permet même d'inventer une ville, à cause qu'on l'a nommé, à cause qu'on l'a écrite, à cause qu'on l'a lu, à cause qu'on y croit, à cause que « remis tout », c'était un trou, avant Virgile, à cause que vous êtes les bienvenus, à cause que nos hôtesses sont d'hilaire, à cause qu'on a autant de préjugés que de chambres d'amis, à cause qu'on aimerait rire de vous autres, avec vous autres, un peu plus souvent, à cause que vous pensez qu'on est donc gentils, à cause que vous ne nous écoutez pas souvent, à cause qu'on fait pareil, à cause que vous vous en foutez, à cause que vous vous en calissez, à cause qu'on s'en fuck bien, à cause que c'est correct comme ça, à cause qu'on veut pas dire parce que. À cause que ça se dit de même et tout, à cause qu'on s'est déjà assez excusé, à cause qu'on aime dire fuck off à cause que ça fait le bien, à cause que nos grands-pères sont allés faire la guerre des autres, la gueule fermée, les dents serrées, à cause qu'on lave plus vos planchers, à cause qu'on sort des cuisines, à cause qu'on y revient toujours, à cause qu'on aime le party, à cause qu'on parle mal, à cause qu'on s'en garde même, à cause qu'on va plus à l'église mais qu'on garde nos clochers pour la guerre. À cause qu'on continue de croire, même si on ne sait pas toujours à quoi. À cause que nos païens font de la musique cosmique, jazz, rock, instrumentale en français. À cause qu'on est rendu capable de s'encrisser. À cause qu'on drive des chars de luxe. À cause qu'on mange des fries Deluxe avec la sauce brune, aigle douce. À cause que les Anglais ont toujours pas compris que Deluxe, c'est du français. À cause que tout le monde en mange. À cause qu'on appelle ça du bouillon, du fricot ou du stou, même si c'est la même maudite affaire. À cause que nos poutines peuvent être râpées ou à trous. À cause que c'est pas tout le monde qui en mange, ceux qui aiment ça, aime ça pour de vrai. À cause qu'on fait de la râpure puis du râpé, puis que t'as pas besoin de connaître la différence pour l'enjoyer. À cause qu'on trouvera toujours une way out. À cause qu'on sneak back in. À cause que les autres creep on. À cause que vous comprenez rien de tout ce qu'on dit, but vous êtes assez bright pour savoir que c'est awesome. À cause que vous comprendriez pas plus si on vous disait « Oh, les crics c'est À cause qu'on a assez mangé de marde. À cause que ça fait jamais les nouvelles. À cause que c'est le même que c'est. À cause que l'histoire s'accélère et qu'on s'essouffle. À cause qu'on s'est mis à barrer nos portes. À cause qu'on écrit des lettres au bout du monde. À cause qu'on a des amis sur Facebook, Twitter, Skype, Instagram, LinkedIn, Tinder, Grindr, Pornhub et Revenu Canada. À cause que nos balcons sont des prisons à ciel ouvert. À cause qu'on est aussi même d'en profiter avant que le prochain ouragan emporte le décor. À cause qu'en cas d'une éruption, on voudrait bien Pompéi, il semble. À cause qu'on a des rues cartographiées par des poètes. À cause qu'elles ont des noms et qu'ils nous dérangeaient. À cause que l'histoire est écrite par ceux qui la font et racontée par ceux qui n'en ont pas pour ceux qui s'en crissent. À cause qu'elle n'est jamais écrite de la même manière. À cause que si l'Acadie n'était pas sujet à poème, l'Acadie ne serait pas. À cause qu'il y a des places plus laides que d'autres qui vivent comme on se noie. À cause qu'un visage ingrosse sera toujours plus émouvant qu'un autre. À cause, qu à cause que l'Acadie est Babel où chacun construit sa tour. À cause que l'Acadie est une freak de l'histoire, celle qui s'en est tirée. À cause qu'on a des rues cartographiées par des poètes. À cause qu'on a plus de villages avec des noms de saints que de saints pour les nommer. À cause qu'un nom de saint, ça s'invente mieux qu'un village. À cause qu'on connaît mieux nos ancêtres que nos descendants. À cause que les leblancs sont fourrés partout. À cause que les cormiers sont pas loin derrière eux. À cause qu'on est toujours paré pour y bailler pire pour riocher de ce qui fait zire. À cause qu'on se baigne à moins 40 pour célébrer la nouvelle année. À cause que nos armes de destruction massive sont des pinces de homards. À cause qu'on a autant d'ours polaires dans nos backyards que vous avez de chameaux dans vos savanes. À cause que la dune est plus haute à marée basse. À cause que l'herbe est meilleure, pas de clôture. À cause qu'on pève des routes pour gagner des élections, à cause que nos mères accouchent pour sauver la contrebande, à cause que les violons réveillent les morts quand les vivants dorment déjà, à cause qu'on danse souvent avant d'apprendre à parler, à cause que le bon sens pense juste chez nous une fois de temps en temps. Ça nous arrive d'être foqués. À cause qu'on veut rien savoir d'une petite place, à cause que c'est ça qu'ils disent, à cause qu'on jappe des fois. À cause qu'on mord jamais. À cause qu'on est tanné de se faire prendre en pitié, à cause qu'on fait pas fucking pitié. À cause qu'on déserve mieux que ça. À cause que la seule chose qu'on n'a jamais eue, c'est les mots. À cause qu'on les bootleg. À cause qu'on les smuggle. À cause qu'on sera plus là un jour. À cause qu'on le sait. À cause que ça arrive à tout le monde. À cause qu'il y en a qui s'en viennent. À cause qu'on veut les voir. À cause qu'on veut que vous les voyez avant qu'ils ne reviennent plus. À cause que l'Amérique est couverte de routes qui mènent nulle part. À cause qu'on ne sait plus d'où on vient. À cause qu'on ne sait plus où on va. À cause que c'est bien correct de même. On crée. Gabriel Robichaud, mesdames et messieurs. Ah, merci beaucoup, Gabriel. Un plaisir. <laughs> merci à toi. <laughs> toujours un plaisir de t'entendre. Toujours un plaisir. L'identité. Dis-moi, l'identité acadienne est centrale à ton œuvre. On trouve dans ton travail une richesse de références qui permettent à un acadien de se sentir fier et à quelqu'un qui ne s'y connaît pas de nombreux éléments à découvrir. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir déclamer tout haut ton identité acadienne euh, J'ai écrit l'essentiel. En fait, Acadie Road, c'est la première fois que, que, que je nomme avec des noms propres vraiment euh, des référents à ce point-là, de façon aussi claire. Euh, J'ai écrit l'essentiel de ce texte-là quand j'étais loin. Donc, euh, j'étais loin de chez moi, j'étais beaucoup sur la route et, et j'avais constamment à me définir, définir l'Acadie, me redéfinir et me redéfinir l'Acadie, définir et redéfinir l'Acadie aux autres, d'une certaine façon. Et, et je pense que cette réflexion-là ben, m'a amené à, à construire en fait tout ça. Puis de sentir que lorsqu'on voyage, on est toujours en train d'expliquer de, ben, qui on est, d'où on vient, et en même temps d'apprendre la même chose de l'autre. Puis tout à coup, ben, ça s'est imposé dans l'écriture. Ah, Magnifique, magnifique. C'est un, un sentiment qui vient me rejoindre parce qu'effectivement, je trouve que notre identité souvent on la définit en contraste avec d'autres. Et je dis contraste, pas comparaison. C'est vraiment en contraste et lorsqu'on est face lorsqu ouais, ouais. à l'autre que tout à coup on, on se questionne. Ah, merci beaucoup Gabriel pour ce partage. Un réel merci plaisir. Merci pour ça. Et voici ce qui conclut notre magnifique soirée de lecture. J'espère que vous avez apprécié ce moment de découverte autant que moi. Je vous invite à aller découvrir plus en détail les œuvres de nos invités. Elles sont disponibles en format numérique sur le site de la Bibliothèque des Amériques au www.bibliothèquedesamériques.com. Je vous invite aussi à consulter la programmation du Salon du Livre de Dieppe au www.salondulivredieppe.com. Merci encore une fois à nos invités, à Céleste Godin, Amber O'Reilly et Gabriel Robichaud. Merci à toute l'équipe du Centre de la francophonie des Amériques pour l'initiative et l'organisation de cet événement. Merci à l'équipe de Livestream Junkies pour la captation. Et merci à vous, cher public, d'avoir pris le temps de nous écouter cette émission, les mots ramassés en chemin. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.